Salut, allez, on se retrouve, une nouvelle vidéo cette fois-ci sur S-Room. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait des vidéos sur S-Room. Et la raison pour laquelle je vous propose une petite course aujourd'hui, c'est simplement parce que je débute le championnat DTM à la CFR, donc sur S-Room, comme je viens de l'évoquer. Et la configuration en fait des courses, c'est une fois 20 minutes et une fois 40 minutes avec un restand obligatoire. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en fait nous sommes à la base on était plus ou moins 50. Donc il y a des pré-qualifs qui sont faites avant la course. Qui sont faits. Bon bref. Et ces pré-qualifs permettent de choisir sur quel split on va être. Donc moi je me suis qualifié pendant les pré-cals à la 13e position, ce qui m'a amené sur le split 1. Donc vous allez voir au niveau des courses, donc il y aura la première 20 minutes, je vais faire des cuts et je ferai également des cuts sur la deuxième pour pas que ça dure trop longtemps. En tout cas, encore une fois, merci à la SFR pour le championnat, ça commence bien. Il y a du monde, donc ça c'est déjà très intéressant. On était 20 par split, donc c'est déjà pas mal, ça promet du beau spectacle. Donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait, et puis on se rend sur la grille de départ pour la première course. Allez les amis, on est parti. Grille de départ, donc je crois que je suis 13e, si je ne me trompe pas. C'est parti pour 20 minutes. Ouais, 12e. Super, alors j'ai pas vu les feux. Ça commence bien. Premier bug. Et ben on est dernier. Comment se mettre en difficulté? Et ben voilà. En plus sur une course de 20 minutes. Oh là, faut y aller les gars. Allez, premier tour très chaud, du coup il faut rattraper. Prendre ses distances. Allez. Forcément, ça se bat. Pour l'instant, c'est propre. Se fait surprendre au freinage. Le petit DRS qui m'en restait.
Alors, il faut pas le mettre en courbe, sinon c'est on fait la toupie. Je l'avais vu à droite. Allez, les DRS, merde. Ah, du coup, je vais t'embêter sur la deuxième course de 40 minutes par rapport à ce départ que je vois pas là. Oh, le fermage de porte. Doucement. Ça colle derrière. Voilà. Allez, 15e. DRS, Aspi, la totale. Ouais, je suis un peu à la traîne. Hein. On dirait qu'il y a la voiture blanche là-bas devant, qui a un problème de ping. Elle disparaît de temps en temps. Allez. Ça va être chiant, ça. Qu'est-ce qu'il fait? Paul est parti, je le vois plus. Je vois de la fumée, ça m'inquiète un peu.
Non, il est pas dans mon radar, il est pas devant. Putain, il est devant. Le 11e, il est déjà à 5 secondes 5. Il reste 11 minutes. Oh, l'accident. Ouais, ça va vite, hein, devant. Ça s'est planté. Allez, P9, il reste 6 minutes 30. Derrière, ça stagne. Ça reste à la même distance. Peu chiant VR, parce qu'on voit pas qui est devant. Partir 12e, chuter à dernière place et revenir 8e. Alors, je dis pas que j'aurais fait mieux en gardant ma place, mais bon. J'ai rajouté un peu d'appui, ça me permet d'être un peu plus serein parce que avec ma config Calif, c'était pas la peine. Allez, concentré jusqu'au bout. Encore des bagarres là-bas au bout. Secondes, autant dire c'est le dernier tour. Doucement. On est sûr. Allez, content de moi, 8e. Par rapport au roulement de la course, c'est pas mal. On se retrouve du coup en deuxième course de 40 minutes. Allez, on est parti, donc pour 40 minutes cette fois avec un arrêt obligatoire, donc je vous le dis d'entrée, je ferai certainement des cuts. Allez, on a mis cette fois-ci les feux
avec le HUD alternatif, histoire de ne pas se faire avoir. Donc on démarre avec la position où on a terminé, je pense. C'est 8ème, c'est ça. Toujours si mauvais sur les départs. Et pas trop à l'égal, hein. Voilà, j'ai laissé la place. Alors, j'ai perdu les places, mais bon, pas autant que tout à l'heure. Alors, il va falloir se méfier au freinage. On a le plein. On a la spi. Ouh, c'est quoi ça? Alors là, c'est un peu limite ça. Putain. Allez, on va essayer de surprendre. Et du coup, il y a du monde derrière. Allez, fin du premier tour, 9ème. Oh, ça s'est loupé ici, l'arrêt Axel. Ouh. Faut que je me méfie du coup parce que j'ai déjà une pénalité. Faut que je me libère de celui qui est derrière et que je rattrape ceux qui sont devant à quasi 4 secondes. Ça va être compliqué. Mais comme ils sont en bagarre, c'est bon pour moi. Ouais, je l'ai vu arriver derrière. Oh, le retour là. Il se met et lui en difficulté et moi donc. Chaque fois, je dois refaire le taf avec ceux qui sont devant.
Désolé, hein, si je bouge pas mal la tête. Mais bon, il faut bien que je regarde ce qui se passe aussi. Comment ça, un incident? Mais sérieux, j'ai rien fait, encore une fois. Allez, focus devant. Ah, il s'entraîne hein, là-bas devant avec le DRS, avec la SPI. Il est arrivé au quart d'heure passé de course. Le carburant est très bon, donc il y aurait juste que les pneus à changer. Ouais, tu veux freiner un peu plus tard et tu te loupes. Super 6 dixièmes. Conduis comme t'as l'habitude. Essaye de pas te surconduire. N'oublie pas que t'as le plein. Et ça va rouler tout seul là. Derrière, chope le DRS, je me suis planté. Voilà. Heureusement que j'ai l'aspi. Regarde un peu les pneus. Histoire de se montrer. Oh, ça s'est planté ici.
Ouais, il passe mieux. Bon, hein. Derrière aussi. Carrément plus rapide. J'ai du mal à choper que le DRS, pour dire. Il va bientôt falloir piter. Ah, il s'éloigne. Inexorablement, je peux rien faire. Je m'y accroche avec le DRS, mais il est plus rapide, on est 7ème. Je pense qu'on est plus ou moins à notre place. Il faudrait que je m'extirpe de celui qui est derrière, Palares. Je suis moins. Allez, il faudrait qu'au niveau là du stadium, j'arrive à faire la diff. Je suis sûr qu'il y a des secteurs que je peux passer plus rapidement avec l'appui que j'ai, mais j'ose pas. On va protéger ici. Il va retarder son freinage. C'est bon pour moi. Avec 3 minutes, 2 tours avant de changer le pneu. Enfin, le pneu, les pneus. Ce arrière, il tient. Hein. Allez, on défend comme on peut. Belle bagarre. Ah, il faut que j'enchaîne quelques bons tours là pour revenir.
Ah, il a DRS, il a tout, donc on va essayer de défendre, mais bon. Allez, freinage. Ouais, il a essayé. Du coup, il a perdu la place qu'il avait. Ah, il faut tenter, hein, des fois. Alors on est cinquième, ça a pité. Ouh là là, pas d'attaque là, voyons. Pas ici. Hein. Ouais, les pneus. Prochain arrêt, on pite. Ah, la prime derrière, je préfère les changer, non ? Qu'est-ce que je fais? Ah, la zut, il reste 20 minutes, on va quand même changer. Oh putain, DRS qui me... Ouh, erreur, grosse erreur devant. Ouh, je l'ai vu tardivement. Ah, je me suis arrêté trop tôt, non ? Non, non. Enfin, au niveau du... La ligne d'arrêt, pff, c'est chaud, hein, putain. C'est bon, les pneus. Tout est bon, normalement. Moi, je reviens 7ème, c'est logique. Ah, il reste 18 minutes pour se battre. Peut-être aller plus vite dans certaines portions. Ah, il y a eu des arrêts, donc je suis 6ème. J'avais pas vu. Freinage tardif, du coup ça donne ça. Allez, chope-le ce DRS là. Non, je suis trop loin. Ah, t'as fait le con.
deuxième tentative pour David Lespès. Et c'est passé. Et on se trouve pas sur les freinages. Voilà. Ouais, t'es sous la seconde, c'est bon ça. Allez, 12 minutes. Ah, je crois qu'il a le DRS aussi. Ouais. Au carburant, j'ai pris du large, trop large. Je le mets ici pour rester collé, même si c'est dangereux là. Ouais, si c'est dangereux. Ah, j'ose pas taper dedans. On est bien. On a passé un petit peu difficilement. Ouais, on est bon. Allez, se place où ? Ouais,
Virer, je suis obligé. Je vais le faire combien cette erreur là? Je vais le faire combien de fois? Ah, il reste 7 minutes. Un peu foiré mon truc là. Faut que je fasse gaffe au off-track. J'ai chaud. Ouais, je mets plus là. Je mets plus DRS maintenant. On verra après. Allez, plus d'erreur. Pourquoi j'ai laissé passer comme un con? C'est chaud. Pas d'erreur, allez. J'ai plus de DRS, moi. Désolé, hein, je parle pas beaucoup. C'est que j'ai chaud. Ça sent l'accident.
Ah là là, comment ça va terminer cette histoire? Je suis à l'affût, je suis un petit peu moins rapide. Ouais, j'ai senti partir tout de suite. Le pneu qui commence à faire défaut à gauche, vous le voyez, est tout rouge. C'est peut-être dire Seb, calme-toi, c'est plus pour toi. Mais bon, c'est jamais. Un ou deux tours, je ne sais pas. Bon, autant sur la première, j'ai des regrets. Mais là, je pense que j'ai fait ma course. À mon rythme. Ouais, il va rester un tour, je pense. Je suis pas sûr. Non, je pense pas. Vu comment ça se bat. Ah si. C'est un petit peu... Un petit peu violent quand même, un petit peu dur. Hein. Et il va falloir choisir sa trage parce que... Moi je vais la choisir aussi. Ah oui. Chacun son tour. Ah, tant pis. Ah, pour le coup, j'aurais essayé. Là, ça a été quand même correct. Bon, il a été un petit peu... Voilà. C'était un peu difficile, mais bon.
C'est passé, il n'y a pas trop eu d'erreur. Voilà, pour une première, je trouve que je m'en suis bien sorti. Cette histoire de DRS et tout ça, ça donne quand même pas mal de suspense à la course. Donc voilà, je suis content. On se retrouve pour le débrief. Voilà, donc comme prévu, on se retrouve pour le petit débriefing de course. Donc je suis satisfait, hein, comme je l'ai dit dans la vidéo, par rapport à ma précale et par rapport aux qualifications de mes résultats de première et deuxième course. Donc je vais vous montrer le tableau de résultats. En fait, j'essaierai de faire quelque chose au mieux. Alors voilà, on voit que je suis 7e, donc avec ma 8e en P1 en première course et 7e sur la deuxième course. Vous voyez, je me retrouve 7e au général pour le moment. Donc il y a encore le temps, il y a 8 manches, donc on va essayer de pas être absent, pour pas dégringoler dans le classement, continuer un petit peu de training de temps en temps pour faire le précal, on va dire entre guillemets une trentaine de tours, malgré le fait que je connaisse les circuits et que j'ai commencé à établir une petite base de setup, on va essayer de rester sur le training pas trop important, mais quand même assez minimum, on va dire minimaliste, pour rester dans le top du classement, au moins dans le top 10. Voilà. Bon bah écoutez, si vous avez des remarques, des questions ou autre chose, comme d'habitude, on se retrouve dans l'espace commentaire, comme d'habitude, le petit pouce, l'abonnement et tout ce qui va bien, et puis bah moi je vous dis à la prochaine. La prochaine manche se trouve sur Spielberg dans 15 jours. Voilà, allez, salut à tous, tchuss.